Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je ne vous connais pas et pourtant il me semble que je vous connais. Vous êtes belle. Vous êtes un enfant. Voulez-vous me pardonner? Je vous pardonne. Mais il faut que je rejoigne les enfants puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu. Restez! Restez! Mais je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne sais pas non plus votre nom. Il faut que je vous quitte. Mon nom? Je suis Mademoiselle Yvonne de Galais. Le nom que je vous donnais était plus beau. Ah. Comment, mais quel était ce nom? Mon nom à moi est Augustin Maulne. Comme deux passagers dans une barque à la dérive et que la mort va surprendre, ils sont au milieu du vent, deux enfants enfermés avec le bonheur. Pourrais-je revenir? Je vous attendrai. Adieu. Adieu. Le dîner ce soir-là se passe sans que le jeune homme du château soit encore rentré. Mais la nuit, Maulne aperçoit une lumière dans une chambre voisine de la sienne. Un jeune homme est rentré là. Il écrit une lettre. De temps en temps, il s'arrête et regarde lentement autour de lui. Puis il s'enfuit. On entend dans le parc un coup de feu. Il avoue dans cette lettre que la jeune fille est retournée avec son premier amant. Désarroi dans la maison. Les invités affolés s'en vont. Maulne monte dans une vieille berline où il s'endort. Je ne savais pas qu'il était arrivé. J'entendis le coup de feu, mais sans comprendre, croyant à un chasseur égaré dans les châtaigniers. Puis j'ai trouvé sa lettre dans la chambre de Wellington. Il avait disparu en me laissant une seule lettre. Je ne pensais pas que je ne le reverrais jamais. Je voyais les gens partir, les lanternes terminer de brûler, et la vaisselle briller dans la salle, claire comme le lait. Dehors, la neige tombait en mesure, lente et pâle. Tout sembla vide tout d'un coup, comme si personne n'était jamais venu. Longtemps, la table est restée dressée. Je voulais croire que la fête avait eu lieu, qu'elle recommencerait. Mais au printemps, on débarrassa. Il ne songea pas que sa fuite jetterait l'opprobre sur notre nom. Et son désespoir nous le déroba sans un souffle. Un désespoir si proche du déshonneur. Me revoici, traversant la campagne et le soleil. Où vais-je? Les enfants entre eux n'ont pas de mots ni de larmes pour exprimer les grandes douleurs. Vais-je encore recommencer une vie? Je suis là de vouloir l'amour et de vouloir la vie. Je me réfugie au milieu des images qui sont en moi. Mais j'en suis persuadé à présent. Lorsque j'avais découvert le domaine sans nom, j'étais à une hauteur, à un degré de perfection et de pureté que je n'atteindrai jamais plus. Dans la mort seulement, je retrouverai peut-être la pureté de ce temps-là. Pour vivre, à présent,
Je passerai par les tombées de la nuit d'autrefois. J'y passerai avec les souvenirs écrasés dans mon cœur. Ils ont presque tout vendu. Et l'on a fait abattre le domaine pour la chasse depuis que le fils est parti, après avoir fait je ne sais combien de folies. Il était bien parti pour être officier de marine comme son père, et puis... Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une ferme au bord des bois de sapins et la petite maison d'habitation. Parfois, je pense comme dans un vertige à ce que je ferais si tout ce que je sais parfaitement être impossible devenait soudain possible. Je m'enfuirais terrifié, je pense. Parce que le bonheur n'est pas de ce monde. Il n'est pas fait pour les hommes. Et moi, je l'ai mérité moins que quiconque. Je reconnais Augustin Maulne. Las, les noces sont finies et nous sommes seuls, dans le grand champ de brume ténébreuse. Tout a disparu à présent. La vieille demeure, si étrange. Le grand étang, asséché, comblé, et dispersé, les enfants en charmants costumes. Et jamais la pureté de notre immense amour ne m'a fait aussi peur. Un homme qui a fait une fois un bond dans le paradis, comment pourrait-il s'accommoder ensuite de la vie de tout le monde? Ce qui est le bonheur des autres m'a paru dérisoire. Il y avait plus de 7 ans que je vous avais perdu. Il y a plus de 7 ans que vous m'avez quitté, lors de cette promenade un matin d'hiver. Je n'ai pas compris tout de suite que vous étiez perdu pour moi. Depuis ce temps, je n'ai pas cessé de vous chercher. Maintenant que je vous ai retrouvé, je viens vers vous avec le même grand respect, avec la même pureté que jadis. Je vous supplie de me délivrer de cet enfer. Ne me damnez pas par la privation de votre visage. Le mariage eut lieu au mois de février. C'est un beau jeudi soir, glacé. La conduite étrange de Maulne durant ses fiançailles, ses alternatives d'enthousiasme et d'angoisse, et comme de remords. Pour celui qui ne veut pas être heureux, il n'a qu'à monter dans son grenier,
et il entendra jusqu'au soir gémir et siffler les naufrages. Il n'a qu'à s'en aller dehors sur la route, et le vent lui rabattra son foulard sur la bouche comme un chaud baiser soudain qui le fera pleurer. Mais pour celui qui aime le bonheur, il y a, au bord d'un chemin boueux, la maison des Sablonnières, où Augustin Maulne est entré avec Yvonne de Galais, qui est sa femme depuis midi. De temps à autre, le vent chargé de pluie apporte, à travers les fougères, la parole perdue d'un piano. Là-bas, dans la maison fermée, quelqu'un joue. Aujourd'hui, tu es là. Tu passes auprès de la table et ta main s'y pose un instant. Tu es entré aussi simplement que viendra chaque jour maintenant. Ma mère, lorsqu'elle était penchée, pliait aussi légèrement son buste sur sa taille pour me parler. On lui voyait aussi sur son doux col nu cette retombée de cheveux blonds. Lorsqu'elle se mettait au piano par ces jours où le vent passait dans le grenier, nous parlions de toi, avec Sereine. Nous disions, elle est là-bas, dans la maison, tout enveloppée d'ombre. Elle regarde le feu. Et si nous allions vers elle, le grand vent mouillé ne serait plus qu'un vent d'été qui traîne des guirlandes. Première fuite de Maulne comme une bête traquée. La demoiselle, le poursuivant affolé, fait un spectacle si déchirant qu'il revient. Alors, il lui avoue tout. Le mal que j'ai fait à votre frère sans le savoir et qu'il faut que je sauve. Au matin, il part. Il sait où retrouver les autres dans le paysage, qu'il est indigne d'elle. Je ne serai pas digne de vous avant d'avoir réparé. C'est la destinée des aventuriers de ne pouvoir s'arrêter. Cette nuit qui scella son départ, j'ai compris qu'une chose était finie dans ma vie et qu'une autre commençait. Une chose admirable, plus belle que tout, mais terrible et peut-être mortelle. Je ne serai pas digne de vous avant d'avoir réparé. Il a connu à Paris, sans savoir qui elle était, la jeune fille pour qui le frère d'Yvonne s'est fait cheminot et voleur. Ils se sont aimés. Quand il a su qu'elle était la femme aimée du bohémien, il l'a quittée et il est parti en se promettant de les réunir. Nous n'avons pas pensé quelle épreuve redoutable c'était que de mettre un homme en face d'une femme et de lui dire « Voilà ton bonheur sur la terre. Voilà ce que tu as tant cherché. Voici pour toi le bout du monde et la fin de tes rêves. » Et de quel droit ai-je pu penser que j'étais son bonheur? Maintenant, au contraire, il vaudrait mieux oublier. Il vaudrait mieux tout oublier. Peut-être quand nous mourrons, peut-être la mort seule donnera la clé et la suite et la fin de cette aventure manquée. Dans la maison où je demeure, le vent, par instant, cogne à la fenêtre basse au rosier sans fleurs. Et je crois que c'est vous. Il n'y a pas d'autre bruit, le monde s'étend loin. Le bruit des laveuses des jeudis de soir, le sifflement des peupliers du bord de l'eau n'arrive pas jusqu'à là. Et comme un grand oiseau blanc, abattu sur le lit, pâle je crois et silencieuse, j'ai attendu. Seules les femmes qui m'ont aimé peuvent savoir à quel point je suis cruel. Parce que je veux tout. Je ne veux même plus qu'on vive dans cette vie humaine. S'il faut que vous partiez, si je suis venue vers vous au moment où rien ne pouvait vous rendre heureux, s'il faut que vous m'abandonniez un temps pour ensuite revenir apaisé vers moi, c'est moi qui vous demande de partir. Je crois que son étrange tourment n'avait été en réalité qu'endormi un temps par le bonheur. Il n'était pas heureux. Longtemps ce poids du monde entier sur le cœur.
souffre de la désolation. Pourtant, il faut que vous sachiez comme j'aurais aimé notre amour si vous l'aviez voulu. Mes pays n'ont plus ce visage. Fermé. Mystérieux. Et adorable. Mes routes ne mènent plus vers le pays de cette âme. Pays curieux et mystérieux comme elle. J'ai perdu ces imaginations délicieuses et amères qu'elle suscitait en moi et qui étaient toute ma vie. C'était comme une âme éternellement avec moi. J'avais presque complètement oublié son visage, mais je savais qu'elle était là et qui elle était. Je la maintenais partout avec moi et plus rien ne m'était dur. Quelque chose désespérément me réclame, et toutes les routes de la terre m'en séparent. Voici que les rosées froides de septembre, voici que septembre et ses fougères qui dégoûtent dans le brouillard, voici que septembre me reprend le cœur. Maintenant, elle est mère d'une petite fille et meurt. Tout est loin maintenant. Tout est à recommencer et rien ne sera recommencé. Un rayon de soleil vient s'appuyer contre la fenêtre et s'abattre dans la chambre. Tout semble si simple aujourd'hui. Et entre les rideaux et la lucarne, des mouches crevées restent prises. Je ne sens plus le soleil, ni le temps. Tout redevient la peine que c'était. Il semble que sans elle, rien que traverser la cour aride de la maison, cela fait mal. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je ne vous connais pas et pourtant il me semble que je vous connais. Vous êtes belle, avait-il dit, mais je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne savais pas qui il était. Augustin Maul. Il fallait que je vous quitte, et c'est lui qui est parti. Augustin, j'ai souvent écrit son nom sur des lettres, lettres que je ne lui ai jamais envoyées, puisqu'il ne m'a jamais écrit. Et je signais de notre nom à tous les deux. Le nom que je vous donnais était plus beau. Ah oui. Mais il ne m'a jamais dit quel était ce nom. J'étais Mademoiselle Yvonne de Galais. Tout est affreusement réel, comme dans un cauchemar. Et voici le chemin entre les sapins. Nous marchâmes longtemps sans même nous parler. La maison de France. Non. Nous sommes deux enfants. Nous avons fait une folie. Il ne faut pas que nous montions cette fois dans le même bateau. Adieu. Ne me suivez pas. Pourrais-je revenir, avait-il demandé. Mais lorsqu'il reviendra, je serai morte. La jeune dame des Sablonnières est morte hier, à la tombée de la nuit. Souvenez-vous, le coup de feu, entendu le soir du deuxième jour dans le parc. C'était Franz qui s'enfuyait. Je ne sais pas quand il reviendra, lui non plus. Je l'entends toujours dans ma tête, dans le bois de sapin, près de la maison vide. Vous ne l'entendez pas? La maison, c'est tout ce qui reste de son rêve. Là où sont venus mourir des oiseaux et tendres grès. On a cru au bonheur le temps d'une fête et nous a tous fallu renoncer. Mais vous l'entendez, vous aussi, n'est-ce pas? Ce coup de feu. Non. Que Franz revienne s'il n'est pas mort. Qu'il retrouve ses amis et sa fiancée. Et peut-être tout reviendra-t-il comme c'était autrefois.
Mais le passé peut-il renaître? L'enterrement est pour midi. Le médecin craint la décomposition rapide qui suit parfois les embolies. C'est pourquoi le visage, comme tout le corps d'ailleurs, est entouré d'ouate imbibée de phénol. Il faudra me mettre la robe que j'avais un jour de Noël où il m'avait attendue, sous le porche. Et seule, toute la soirée, j'ai entendu le vent passer sur le dégel comme aujourd'hui. Qu'il se souvienne ou qu'il l'oublie, vous lui direz. Il faudra retraverser seul les pays d'autrefois. La voici. Plus de fièvre, ni de combat. Plus de rougeur, ni d'attente. Rien que le silence et un dur visage insensible et blanc. Un front mort d'où sortent les cheveux drus et durs. Le temps ne paraît pas long lorsqu'on attend quelqu'un dont on est sûr qu'il ne viendra pas. De long en large, marche la grande ombre d'Augustin, parfois dressée comme si elle allait crier, parfois arrêtée près du lit et comme à genoux. On dirait comme un fantôme prisonnier qui frôle de sa main les parois pour s'évader. Détourne ta face, jour, que ta lumière soit tue par la poussière. Tout se mêle pour moi, tout se confond dans cette douleur. Tout est pénible, tout est amer puisqu'elle est morte. Le monde est vide, les jours d'antan sont finis. Finis les longues courses perdues, finis la fête mystérieuse.
Nous avions retrouvé la belle jeune fille. Nous l'avions conquise. À présent, je suis seul avec la dure vie basse. Laissez-le tout bas et apprendre la vie, sans les oiseaux ni les heures. Plus tard, lorsque nous nous serons oubliés et détestés, lorsque tous deux nous serons morts depuis longtemps, est-ce que je ne pourrais pas, une seconde, rien qu'une seconde encore, te tenir entre mes mains mortes dans l'obscurité pour te demander pardon? Pardon de ne pas t'avoir sauvé. On entend lointainement que dans la maison on ferme les fenêtres, puis les portes. Maintenant, tous sont partis. Un grand silence s'est fait. Et la nuit s'étend autour de la maison, sur les jardins encore glacés, la terre encore froide. Plus personne entre nous, et vous êtes en face de moi. Vous êtes là, comme une grande défunte épouvantable dressée de l'autre côté de la haie. Comme l'heure qui précéda notre rencontre, je vous attendrai. Il y aura toujours ce dernier rayon de soleil languissant qui faisait plus pâle nos visages et plus sombre la tombée du jour. Ce regard qui fait fondre le cœur tant il est pur, est insistant et fixe comme celui de la grande bête qui rôde le soir. Vous êtes dans le monde comme quelqu'un qui va s'en aller. D'où vient donc ce vide, cet éloignement, cette impuissance à être heureux? Bien, peut-être est-ce simplement une étoile perdue entre les branches des ifs.
comme ce jour brumeux d'été où je suis mort aussi. J'étais seule, déchirée et perdue, mais je sais que j'étais moins seule, moins perdue et déchirée que vous. Je vous demande pardon d'avoir voulu que nous nous aimions.